notre conférence de cet après-midi par un propos liminaire d'une quinzaine de minutes, si vous voulez bien, au terme duquel le rapporteur et mes collègues pourront vous questionner pour avoir des précisions sur tel ou tel aspect de votre intervention. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Sénateurs. Mon propos portera bien évidemment sur l'influence et les manipulations de l'information de la Chine. Comme vous l'avez justement rappelé, j'ai publié avec mon collègue Jean-Baptiste Jean-Jacques Villemer en 2021 un rapport faisant un état des lieux de ces opérations, un rapport qui a été mis à jour en 2024, qui a été publié sous la forme d'un ouvrage. Et l'hypothèse centrale que nous faisions dans ce travail était celle d'une russianisation des opérations d'influence chinoise. Cette russianisation ayant plusieurs significations, puisque la russianisation, c'était d'abord ce fameux moment machiavélien, c'est-à-dire que la Chine, alors que pendant longtemps elle a essayé de construire son soft power, c'est-à-dire un pouvoir de séduction, elle a tenté de séduire l'Occident et le reste du monde, elle semble aujourd'hui considérer qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, ce qui est une citation que nous empruntons au prince de Machiavel, et d'où ce fameux moment machiavélien que nous mentionnions. Et ça, c'est une trajectoire qui est très similaire à celle de la Russie. C'est cette première forme de russianisation que nous mentionnions. La deuxième signification de la russianisation, c'est le fait que la Chine emprunte des méthodes qui sont celles utilisées traditionnellement par la Russie, notamment en matière de manipulation de l'information en ligne. Mais cette russianisation, et c'est la troisième signification, est aussi une soviétisation dans la mesure où la Chine emprunte beaucoup au répertoire d'action du KGB pendant la guerre froide. Et il y a une opération en particulier que nous décrivons dans notre travail, qu'on a baptisée Infection 2.0, parce que c'est une copie manifeste de l'opération qu'on a baptisée Infection, qu'on a pris l'habitude d'appeler Infection, avec un K, et qui est une opération que le KGB avait initiée en 1983 pour faire croire que l'armée américaine avait fabriqué le virus du sida, opération que les Chinois ont copiée au moment de la pandémie de SARS-CoV-2, enfin de Covid-19, en essayant de faire croire à nouveau et en ciblant exactement la même base américaine que les États-Unis avaient fabriqué le virus du SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19. Donc le répertoire d'action de la Chine, il est extrêmement large, bien plus large que celui de la Russie, en particulier parce que la Chine a plus de moyens financiers, ce qui lui donne plus de capacité de faire des choses que la Russie n'est pas en mesure de faire. Elle a aussi des ressources humaines importantes qui lui permettent de s'appuyer non seulement sur des moyens techniques, mais aussi sur des moyens humains. Il y a eu une certaine prise de conscience un peu partout, notamment en Occident, mais pas seulement en Occident, au Japon aussi par exemple, en Corée du Sud, au Vietnam, à Singapour. Il y a un certain nombre de pays qui ont pris conscience de cette influence de la Chine et de ces manipulations de l'information. Et un certain nombre de mesures ont été prises déjà, un peu à l'image de la création de Viginum en France. Cette prise de conscience et la mise en place de dispositifs pour lutter contre l'influence de la Chine a accéléré la mutation ou la transformation de ces opérations d'influence, puisque les Chinois sont obligés de plus en plus, enfin je dis les Chinois, mais je pense au Parti communiste chinois, bien entendu, le PCC est de plus en plus obligé d'avoir recours à des opérations qui sont de plus en plus clandestines, de plus en plus sophistiquées, pour justement contourner les premières mesures, les premières contre-mesures qui ont été mises en place par différentes puissances, différents États, en Occident comme ailleurs dans le monde. Donc, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est aller un petit peu plus loin que le constat que nous faisions déjà dans cet ouvrage, en montrant les évolutions les plus récentes. Et ce qu'elles peuvent imposer ou appeler comme mesures à mettre en place en France et ailleurs.
La première chose que l'on peut noter, notamment dans les opérations de manipulation de l'information en ligne, c'est une plus grande capacité de la Chine à simuler l'authenticité. L'une des faiblesses de la Chine dans les opérations que nous observions avant 2021 et depuis, c'était leur incapacité à entretenir des contacts, c'est-à-dire qu'ils sont capables de créer des faux comptes sur les réseaux sociaux, des faux sites internet, etc. Mais que ces comptes ont le plus souvent assez peu d'interactions avec des comptes authentiques. Et donc, il y a bien de la désinformation chinoise qui circule sur internet, mais c'est une désinformation qui est un peu circulaire et qui se déplace entre faux comptes. Compte inauthentique. Et donc, elle est, de fait, elle était assez peu efficace puisqu'elle ne touchait pas le monde réel. Ça commence à changer et on observe de plus en plus d'opérations dans lesquelles les comptes créés, manipulés par les Chinois parviennent à interagir avec des comptes authentiques et donc à diffuser au sein de la société, au sein des différentes sociétés, une certaine interprétation du monde, une certaine interprétation d'événements internationaux. Et donc, la Chine dispose par ce moyen d'une plus grande efficacité dans ses opérations d'influence. Autre évolution assez significative que l'on a pu noter, c'est l'apparition de l'IA générative. Donc, il y a de plus en plus d'opérations, notamment depuis l'année dernière, qui comportent une dimension liée à l'IA, donc avec principalement des fausses images donc générées par ces intelligences artificielles, qui sont pour l'instant pas de très grande qualité. C'est des choses qui ont déjà été souvent mentionnées. Un doigt en plus, en moins, sur une photo, sur un individu, sur une photo, ce qui permet d'identifier assez rapidement que l'image a été générée artificiellement. Plus souvent des erreurs dans l'écrit, dans le texte est souvent mal construit par ces IA. Et donc, c'est souvent des langues qui n'existent pas et qui apparaissent dans ces images. Donc, quand il y a du contenu textuel, c'est beaucoup plus facile d'identifier l'origine artificielle de ces images. Mais en quelques mois, on note des progrès. Et donc, c'est une dimension qu'il faut prendre en compte parce qu'elle sera de plus en plus présente dans les opérations menées par la Chine. Autre évolution technique, là aussi, du côté du Parti communiste chinois, c'est la mise en place d'un réseau mondial de faux sites internet d'information. Un peu à l'image de ce que les Russes pratiquent là également. Il y a eu plusieurs vagues de sites internet identifiés par différents think tanks ou centres de recherche ou agences qui travaillent sur ces questions. C'est des sites qui sont en différentes langues. Il y a le premier paquet, disons, de sites identifiés était plutôt des sites en langue chinoise, donc qui visaient plutôt des individus issus de la diaspora, puisque c'est des sites qui sont disponibles à l'étranger, pas en Chine. Mais d'autres paquets de sites ont pu être identifiés et qui là sont dans tout un tas d'autres langues, donc en français y compris, beaucoup en anglais bien sûr, mais aussi dans des langues que l'on pourrait, disons, juger plus rares en matière de désinformation transnationale, telles que le tagalog, par exemple, aux Philippines, en indonésien, etc. Donc, on a une capacité de la Chine aujourd'hui à agir en matière de désinformation dans un panel de langues beaucoup plus large que ce qu'on pouvait observer il y a encore quelques années. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ces sites ne sont pas tous gérés par les mêmes acteurs. Certains sont manifestement rattachés au département du travail de Front Uni, qui est un département du comité central du Parti communiste chinois. D'autres sont liés au département de la propagande, certains sont liés au service de renseignement, d'autres encore à l'armée. Donc on a une des spécificités ici de la Chine, qui est la multiplicité des acteurs impliqués dans les opérations d'influence et de désinformation. Et donc la difficulté pour nous, à l'autre bout de la chaîne, d'être capable de remonter
jusqu'aux acteurs impliqués, aux fabricants, voire aux commanditaires, et une difficulté à comprendre exactement le partage des tâches, la distribution des responsabilités en quelque sorte au sein de l'appareil du parti État chinois. Il y a vraisemblablement, c'est des choses qu'on ne comprend pas encore très bien, mais il y a vraisemblablement plutôt un écosystème qui est en compétition, c'est-à-dire qu'on a des acteurs issus de l'armée, d'autres de l'État, d'autres du parti, qui ne travaillent pas véritablement ensemble, mais plutôt les uns contre les autres, l'objectif étant bien évidemment de récupérer du budget, du personnel, et donc il faut se mettre en avant, d'où cette dimension de compétition interne au système. Il y a un enjeu de ce point de vue-là pour nous, qui est l'enjeu de la compréhension, l'enjeu de la connaissance, et j'aimerais souligner ici à quel point on méconnaît le système chinois en matière d'influence. On a trop peu de travaux sur la question. On progresse, mais on est encore loin du compte. Et bien évidemment, la faiblesse des recrutements dans le monde universitaire sur ces questions est un véritable problème. Autre stratégie mise en place par le PCC, c'est le recrutement et la mise en place d'influenceurs, notamment sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux, bien sûr, on va penser à TikTok en priorité, mais ce n'est pas seulement TikTok, c'est aussi X, c'est bien évidemment YouTube et d'autres réseaux aussi, y compris moins évidents, moins populaires. Ces influenceurs sont directement recrutés par l'appareil du parti État, par les médias qui jouent un rôle très important dans ce type d'activité. Et là aussi, ils vont développer leurs activités dans différentes langues. Beaucoup de langues occidentales, bien sûr, mais pas seulement. Il y a plus d'une quarantaine de langues qui ont pu être identifiées dans lesquelles ces influenceurs opèrent. Alors, il y a des influenceurs qui sont des Chinois, qui sont recrutés pour faire ce travail. Et puis, il y a d'autres influenceurs qui sont étrangers, qui sont repérés parce qu'ils sont influents, parce qu'ils ont déjà beaucoup d'abonnés, et que la Chine tente de recruter, au moins pour diffuser des messages positifs à son égard, et si possible, diffuser aussi des messages négatifs contre les ennemis de Pékin. Ces influenceurs peuvent être aussi utilisés pour mener des campagnes de dénigrement contre des États, contre des organisations, des entreprises, et y compris des individus. Voilà pour un petit tour d'horizon des innovations techniques récentes de l'appareil du parti État chinois en matière de manipulation de l'information. Je voudrais tout de même souligner le fait qu'on souffre peut-être d'une fascination excessive sur cette dimension technique. C'est-à-dire que la plupart des travaux qui sont menés aujourd'hui sur les questions de manipulation de l'information à l'égard de la Chine, venant de Chine, se concentrent, et c'est vrai sur d'autres sujets, sur d'autres acteurs, se concentrent sur la dimension technique, en quelque sorte. C'est-à-dire quels sont les vecteurs utilisés par ces acteurs pour diffuser de l'information manipulée. Or, c'est bien évidemment indispensable et on a besoin de mieux comprendre les différents canaux, comment ces canaux sont construits, comment l'information est diffusée via ces canaux. Mais nous avons, comme je l'ai dit, nous avons aussi besoin de comprendre qui est à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire qui sont les acteurs chinois et quels sont leurs objectifs dans la mise en œuvre de ces manipulations de l'information et quels sont les contenus. C'est-à-dire qu'on a un peu oublié de travailler sur les contenus. Or, c'est une dimension fondamentale puisque même si ces acteurs peuvent jouer sur une meilleure compréhension aujourd'hui des mécanismes cognitifs et donc essayer de manipuler les individus et les groupes à leur insu, ils travaillent malgré tout encore à partir de contenus. Et donc, décortiquer ces contenus, c'est aussi mieux comprendre comment se défendre et mieux comprendre ce que les Chinois cherchent à faire. Alors, quand on se penche
donc sur ces contenus, ce qu'on observe, et ça on l'observait déjà au moment de la publication de notre premier rapport en 2021, c'était un passage progressif d'une propagande, disons, qui était positive sur la Chine, c'est-à-dire que ce que la Chine cherchait à faire avant tout, c'était à dire du bien d'elle-même, se présenter comme un acteur bienveillant, qui propose des relations gagnant-gagnant, qui essaye de mettre en œuvre une émergence pacifique sur la scène internationale, qui ne veut pas chambouler le système international, mais simplement y occuper une place plus importante. Ce contenu-là n'a pas disparu, mais il est de plus en plus concurrencé par un contenu agressif, dépréciatif, qui vise, là encore, des États, des organisations, des individus, et en premier lieu, les États-Unis. J'oubliais, contenu qui peut cibler aussi des valeurs, et c'est même le plus souvent le cas. Je travaille en ce moment, par exemple, sur les contenus diffusés par CGTN, donc le principal média chinois tourné vers l'étranger. Même dans les contenus francophones, puisque CGTN a une branche francophone, même dans CGTN français, la majorité des contenus portent sur les États-Unis ou sur la question de la démocratie. Et l'ambition, bien évidemment, c'est de démonétiser l'idée de démocratie elle-même, montrer que la démocratie, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas une alternative pour la population chinoise ou pour des populations francophones dans le monde. Donc ça, c'est la première évolution que l'on doit noter. Plus récemment, on note de plus en plus souvent l'apparition, la mise en œuvre d'opérations extrêmement ciblées, c'est-à-dire non pas des opérations très larges qui visent la démocratie, les États-Unis d'une manière générale, mais qui vont cibler un sujet en particulier. Par exemple, on a découvert une opération qui visait à empêcher l'ouverture d'une usine de traitement des terres rares au Texas. Et donc, l'opération visait à discréditer les opérateurs, à insister sur le coût environnemental d'une telle entreprise pour faire en sorte de faire capoter ce projet. Donc, on assiste de plus en plus à ce type d'opération très ciblée et à des opérations aussi qui s'apparentent à ce que les soviétiques appelaient les mesures actives, c'est-à-dire des opérations de subversion qui visent à déstabiliser les sociétés ciblées, typiquement en jetant de l'huile sur le feu dès qu'il y a des tensions sociales, ethniques, raciales ou autres, religieuses par exemple. Et les Chinois l'exploitent très fréquemment aux États-Unis. Pour, là aussi, diviser la société. Autre point intéressant dans la construction de ces contenus, et ce sera la dernière partie de mon propos, c'est une capacité que l'on note depuis quelque temps de la Chine à innover dans les formes discursives qu'elle emploie pour construire sa propagande, pour convaincre les différentes audiences dans le monde. Et ces innovations discursives, elles prennent en fait de différentes formes. D'abord, c'est une place croissante laissée aux récits, aux histoires. C'est-à-dire que les Chinois, les médias chinois, les instruments de la propagande de la Chine utilisent de moins en moins des constructions discursives classiques basées sur des faits et privilégient de plus en plus des histoires. Ils racontent des histoires parce que raconter une histoire, ça permet de toucher plus facilement son audience, ça permet de jouer sur le pathos, d'émouvoir et donc de convaincre beaucoup plus aisément qu'en argumentant. Autre évolution importante, c'est un usage croissant aussi de la satire. C'est-à-dire que la satire devient une arme de plus en plus employée par ces acteurs de la propagande chinoise. Là aussi, à la fois pour discréditer les adversaires de la Chine, notamment les États-Unis, et aussi pour créer une espèce de confusion dans l'esprit des audiences. C'est-à-dire que
On crée une situation dans laquelle on ne sait plus vraiment ce qui est faux, ce qui est vrai, ce que les acteurs jugés ont véritablement fait, ce qu'ils ont véritablement dit. Donc on crée de la confusion, confusion qui est favorable à la Chine ou à tout le moins défavorable à la démocratie. Alors cette satire peut prendre différentes formes. Je vous en montre quelques exemples ici. Le détournement de comptes populaires occidentaux. Donc les Chinois sont très forts pour ça. Ils identifient des comptes qui ont un impact très fort dans l'imaginaire occidental. Donc là, vous avez une illustration du loup et de l'agneau. Le compte va être détourné utilisé pour accuser les États-Unis de jouer un double jeu, voilà, de double standard, d'être hypocrite sur la scène internationale, etc. Ça peut prendre la forme de la caricature avec une utilisation, et là aussi, qui est le plus souvent transmédiatique, c'est-à-dire que les Chinois utilisent différents types de supports. Ça peut être des supports textuels, mais beaucoup de supports iconiques, dont des petits dessins animés qui sont diffusés par différents médias ou acteurs de la propagande chinoise et qui vont s'en prendre à des symboles forts des pays ciblés. Là, en l'occurrence, Oncle Sam, qui est aussi accusé de ne jamais respecter les règles internationales et de n'en faire qu'à sa tête au profit des États-Unis. Autre élément très intéressant, c'est l'émergence d'un art de propagande en Chine, comme au plus fort de la guerre froide, avec des artistes, notamment des designers, des graphistes, qui, sans travailler pour le Parti communiste chinois, se présentent eux-mêmes comme des artistes loups-guerriers, donc vous savez, comme ces fameux diplomates dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années, quelques mois. Et ces artistes, donc, essayent de diffuser dans le monde une image positive de la Chine, et beaucoup plus souvent, essayent de discréditer les adversaires de Pékin. On voit là une illustration contre les Japonais, donc une attaque de la décision, une critique de la décision du gouvernement japonais de déverser les eaux usées de Fukushima dans l'océan. Ici, une critique, une accusation des États-Unis qui serait, notamment de la CIA, qui serait responsable des mouvements de protestation étudiants à Hong Kong. L'instrumentalisation, comme je le soulignais tout à l'heure, l'instrumentalisation des tensions sociales, ça c'est une œuvre qui a été diffusée, réalisée, diffusée à la suite de la mort de George Floyd. Là encore, pour jeter de l'huile sur le feu, instrumentaliser, exploiter les failles de la société américaine. Et puis un autre exemple, cette dénonciation du G7, avec ce détournement de la scène. Vous voyez, c'est une image qui est pleine de symboles, extrêmement riche. Donc, vous voyez le gâteau avec la carte de la Chine, donc, qui est une façon de rappeler le siècle d'humiliation subi par la Chine, donc de montrer qu'en fait, la domination de l'Occident sur le monde, domination jugée injuste, se poursuit aujourd'hui, et vous voyez tout un tas de critiques. On voit le Canada avec Meng Wanzhou, donc qui est la fille du patron de Huawei, qui avait été kidnappée selon les Chinois, donc injustement arrêtée. Donc on voit que le Canada la glisse sous sa veste. Le Japon en train de verser du thé contaminé par Fukushima. On voit, pardon, la France plongée dans ses pensées, incapable d'agir. C'est ainsi qu'ils nous critiquent. Les États-Unis, fabricant des dollars à partir du papier toilette. Voilà, tout ça pour vous montrer qu'il y a une capacité d'innovation dans la propagande, dans la désinformation chinoise, qui ne passe pas seulement par le texte, qui passe aussi par l'image, qui est extrêmement forte et qui est un moyen contre lequel on n'a pas forcément auquel on n'a pas forcément de réponse pour l'instant à apporter. Je m'arrêterai là. Je finirai simplement en disant que en ce qui concerne la Chine, le plus gros problème vient de notre insuffisante connaissance des acteurs,
des objectifs réels poursuivis au-delà des objectifs stratégiques, c'est-à-dire des objectifs tactiques poursuivis par la Chine, par les acteurs de cet appareil de la propagande chinoise. Et si on ne les connaît pas assez, c'est parce qu'on n'a pas assez de moyens. Nous ne sommes pas assez nombreux à travailler sur ces questions aujourd'hui en France ou ailleurs dans le monde. Le constat peut se partager. Deuxième, et donc ma recommandation, ce serait qu'il y ait plus de moyens consacrés à la recherche sur ces questions. Deuxième axe d'effort, ce serait mieux comprendre les questions de réception. Quand on s'intéresse aux ingérences, à l'influence, aux manipulations de l'information, l'un des points aveugles aujourd'hui de la recherche, c'est l'efficacité de ces opérations. À quel moment une opération est efficace ? À quel degré est-elle efficace ? Et en quoi est-elle efficace ? Pourquoi une opération donnée est efficace, une autre le sera moins ? Nous manquons aujourd'hui de capacité d'évaluer l'efficacité réelle de ces opérations. Et c'est bien évidemment l'un des axes qu'il faut améliorer dans les années à venir. Voilà, pour quelques recommandations, on pourra bien sûr revenir là-dessus après. Je vais laisser la parole à notre rapporteur et demander à André Richard, peut-être dans une dizaine de minutes, de prendre ma place, ce qu'il faut que je m'absente 10 minutes maximum, mais j'ai un engagement à assurer à moins le quart. Merci. Et merci, Monsieur Charron, pour cet excellent exposé. Et déjà deux pistes de proposition, mais je reviendrai à la fin. Moi, ma première question porte sur, vous évoquez le fait d'un basculement, ce que vous notez, la russianisation des opérations chinoises. Savez-vous le dater et expliquer la raison, est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'il y a un événement qui fait que ce basculement s'est opéré ? Alors, il n'y a pas de basculement, disons que le basculement s'est fait progressivement. Voilà. Le tournant, c'est la fin des années 2000. Et peut-être d'ailleurs que la France a été l'un des premiers pays à subir ce basculement, puisque l'année 2008, donc l'année de l'organisation des JO à Pékin, a été l'un des moments où ce basculement s'est opéré. Et la France avait subi les foudres de Pékin à l'époque, avec un passage progressif à la coercition. À partir de la fin des années 2000, ça se vérifie au Danemark en 2009, et puis d'autres pays vont subir ce changement de stratégie. Changement de stratégie qui va s'accélérer avec l'arrivée au pouvoir en 2012 de Xi Jinping. Alors pourquoi ? D'abord parce que la Chine en a les moyens. C'est-à-dire qu'avant, elle ne le faisait pas parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Ensuite, parce que la Chine, le leadership chinois, a dressé lui-même un constat d'échec de l'ancienne stratégie, c'est-à-dire que le PCC s'est rendu compte qu'il était incapable de construire un soft power, ou en tout cas pas à la hauteur de leurs espoirs. Et d'ailleurs, on le voit bien, je veux dire, la Chine n'est pas vraiment une puissance culturelle. Ou alors, la Chine est une puissance culturelle parce qu'elle est capable de s'appuyer sur sa longue histoire, enfin, c'est ce qu'ils nous disent, aussi sur sa médecine traditionnelle, sur des images comme celle de Confucius, les arts martiaux, etc. Mais tout ça, c'est le passé. Les grandes puissances culturelles de la région, c'est le Japon et la Corée du Sud. Les produits culturels asiatiques que nous consommons viennent d'abord du Japon et de la Corée du Sud, pas de Chine. Donc le PCC a lui-même dressé le constat de l'échec de cette stratégie et s'est donc laissé séduire par, disons, le répertoire d'action russe, qui est un répertoire beaucoup plus agressif. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le PCC vient du même moule. Hein, c'est un parti léniniste. Le Parti communiste d'Union soviétique avait participé via le Comintern à la création du Parti communiste chinois. Il a profondément influencé la structure, les modes opératoires du Parti communiste chinois. Ça se ressent encore aujourd'hui dans ces opérations. Dans la confrontation entre les États-Unis et la Chine, est-ce qu'on peut imaginer que la volonté, justement, c'est d'affaiblir, en tout cas,
d'affaiblir pour notamment avoir des intérêts économiques sur l'Europe, pour lui permettre aussi, j'ai envie de dire, de nourrir sa capacité à produire, notamment dans le cadre de cette confrontation de plus en plus directe avec les Américains. Alors, ce qui est sûr, c'est que les Chinois ont intérêt à diviser l'Europe. La Chine est plus forte, elle est plus à l'aise dans les relations bilatérales. Le leadership chinois est bien conscient qu'il obtiendrait moins si il avait affaire à un seul interlocuteur en Europe. Donc c'est dans l'intérêt de la Chine de continuer de diviser les Européens. Par ailleurs, c'est aussi dans l'intérêt de la Chine de tenter d'éloigner l'Europe des États-Unis. Et ça, c'est l'un des contenus les plus fréquents que l'on peut noter, en particulier depuis le début de la guerre en Ukraine, du côté des médias et des acteurs chinois. C'est que cette guerre est une guerre voulue par les États-Unis, mise en œuvre par les États-Unis, et qui se fait au détriment de l'intérêt des Européens. Et les Chinois ne cessent de marteler cela. Donc oui, si l'Europe se désolidarise des États-Unis, ce sera une victoire pour la Chine. Voilà. De la même manière, à l'échelle internationale, la Chine essaye de d'éloigner ce qu'elle appelle le sud global de l'Europe, puisque c'est dans son intérêt. Et dans les modes opératoires, juste une question sur trois modes opératoires ou opérateurs potentiels d'ingérence pour avoir votre retour. D'abord, sur la partie informationnelle, votre vision sur TikTok, on a eu l'audition de son directeur des relations publiques cette semaine ici. On a bien senti que l'opacité qui avait été dénoncée et le tout va bien reste plutôt l'actualité. Mais donc, quelle est votre vision, vous, sur le rôle effectif toujours aujourd'hui de TikTok, malgré les injonctions qui ont été faites et l'enquête ouverte par l'Union européenne contre TikTok? Deuxième, au mode opératoire, en tout cas acteur, la diaspora chinoise et comment, effectivement, son rôle, comment vous estimez, vous voyez cela? Et troisième bloc sur la question, j'ai envie de dire, des systèmes universitaires et académiques, puisque un de nos collègues, André Gattolin, a fait un rapport en 2021 où il a identifié justement à la fois les vulnérabilités de notre système et surtout la volonté de prédation de la Chine sur ce segment ô combien important, avec tout ce que ça veut dire derrière de recherche de brevets pour l'avenir, j'ai envie de dire. Très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que dans les objectifs de la Chine, ce qui est en tête de liste, c'est assurer la pérennité du régime. Le reste, ça vient après. Bien sûr, il y a d'autres objectifs, mais c'est important parce que ça explique un certain nombre de choses, et notamment la focalisation sur certaines cibles jugées prioritaires par la Chine et qui sont notamment la diaspora. Vous le savez sans doute, les Chinois parlent de 5 poisons pour les 5 cibles prioritaires, donc les Tibétains, les Ouïghours, les démocrates, les dissidents, les Falun Gong et les Taïwanais. Ça, c'est la menace, les 5 menaces principales. Parce que c'est des menaces qui pèsent sur la survie du régime. Et c'est ça que le pouvoir veut assurer avant tout. C'est pour ça, et je commence donc par la question de la diaspora, c'est pour ça que la diaspora, c'est une question très ambiguë pour les Chinois. Parce que c'est d'abord une menace, c'est d'abord jugé comme une menace pour la survie du régime. Pourquoi ? Parce que la diaspora, c'est une population qui parle chinois, qui maîtrise parfaitement la culture chinoise, qui ne cesse de faire des allers-retours entre le pays d'accueil et la Chine, et qui est donc susceptible d'importer en Chine des valeurs libérales auxquelles ces populations ont été exposées. Donc c'est une menace, et le parti les qualifie cette menace d'infiltration culturelle. C'est dans les débats autour de la loi sur la sécurité nationale de 2015, c'est ainsi que cette menace a été qualifiée. Parce que la sécurité nationale englobe la culture, les questions culturelles. Donc la diaspora, c'est d'abord une menace. Et donc, le premier objectif du PCC, ça va être de contrôler ces diasporas partout dans le monde. Et ça commence par quoi ? Par la maîtrise des médias en langue chinoise à l'étranger. Et en France, nous avons un véritable problème, puisque, bien sûr, RFI fait un travail formidable, mais avec des moyens qui sont extrêmement limités. Et donc, le média le plus influent en France, en chinois, c'est Nouvelle d'Europe. Et c'est un média qui est complètement sous la coupe du parti. Donc les Chinois présents en France,
les Français d'origine chinoise qui désirent s'informer en chinois lisent de l'information produite par le parti. Voilà une des premières missions, à mon avis, qui devrait être... voilà, un des premiers objectifs qui devrait être le nôtre, c'est-à-dire faire en sorte que la diaspora chinoise en France ait accès à une information en chinois de qualité et qui ne soit pas produite par le PCC. Par ailleurs, on voit bien que dans ces enjeux de contrôle de la diaspora, il y a aussi des actions, voilà, il y a les actions informationnelles, mais il y a aussi les actions physiques. Et il y a eu plusieurs cas, y compris en France, d'opérations menées par la police chinoise, par le ministère de la Sécurité publique, à l'encontre de citoyens chinois ou de citoyens français d'origine chinoise. Et là, il y a vraisemblablement aussi, du point de vue de la Chine, si quand vous lisez les médias en langue chinoise en France, ils le disent très clairement. Aubervilliers, par exemple, c'est la Chine. C'est ne vous inquiétez pas, vous, commerçants d'origine chinoise à Aubervilliers, on est là, on va vous soutenir, on va vous aider. C'est exactement ce qui est dit dans cette presse en chinois en France. Le gouvernement français ne fait rien pour vous, mais nous, on est là. Et puis, de toute façon, vous faites partie de la grande nation chinoise. Voilà, donc, d'abord, la diaspora, c'est une menace potentielle. Une fois qu'elle est sous contrôle, c'est un vecteur d'influence. Vous avez évoqué ensuite la question de TikTok. TikTok, bien sûr, est une menace pour nos intérêts. Bien évidemment, il faut rééquilibrer les perceptions. On parle beaucoup de TikTok aujourd'hui. Ce n'est pas le principal vecteur de l'influence de la Chine. Il y a bien d'autres canaux beaucoup plus efficaces utilisés par la Chine. Mais il ne faut pas le négliger non plus. Donc il y a assez peu de débats sur la question chez les spécialistes. TikTok est sous la coupe de la Chine, c'est évident. ByteDance est une société chinoise. ByteDance n'a aucun moyen de prendre une décision qui pourrait déplaire au Parti communiste chinois. Et il n'y a même pas besoin d'invoquer la loi sur le renseignement de 2017 ou la loi sur la sécurité nationale de 2015 ou la loi sur le contre-espionnage de 2014. Le PCC n'a pas besoin de cet attirail législatif pour faire plier n'importe quelle entreprise chinoise. Voilà, la Chine est un régime autoritaire. Les entrepreneurs ne sont pas libres. Ils sont obligés de se soumettre aux attentes du parti. Donc de ce point de vue-là, TikTok est une menace. C'est une menace d'abord parce qu'il y a la possibilité de capter des données. Ce n'est pas le problème le plus grave, mais ils peuvent capter des données des utilisateurs. Ce n'est pas des données très stratégiques, mais qui peuvent être utiles quand même, ne serait-ce que pour nourrir les intelligences artificielles chinoises. C'est surtout un problème en termes de vecteur de diffusion d'une représentation du monde, d'une interprétation de l'actualité internationale. On l'a vu après le 7 octobre, par exemple, où TikTok a été utilisé comme un vecteur pour diffuser une interprétation des événements au Moyen-Orient. Et là, il y a deux phénomènes qu'il faut distinguer. La censure, c'est-à-dire que TikTok, sur TikTok, les Chinois peuvent censurer les sujets qui déplaisent au parti. Et puis, TikTok sert de vecteur, c'est-à-dire de moyen de promotion de contenu favorable à la Chine ou défavorable aux ennemis de la Chine. Et c'est très pernicieux parce que TikTok... Les opérateurs chinois sur TikTok vont glisser de l'information pertinente, de la propagande, au milieu de vidéos qui traitent de sujets qui peuvent sembler insignifiants. Une recette de cuisine, une chanson, un film de cinéma, etc. Pour avancer, parce que le temps nous est compté, si on élargit un peu la focale, j'ai envie de dire, peut-être d'un mot à la fois, peut-être dire un mot sur les ingérences de la Chine sur, on va dire, l'Indo-Pacifique et particulièrement sur, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, si vous pouvez en dire un mot. Et aussi, pour ne pas être trop long, et comme ça je fais les deux questions en une, vous avez évoqué les différents autres pays. Moi, je reviens de Taïwan notamment, j'ai pu rencontrer le ministre de tout ce qui est digital, donc les mesures prises en place. Est-ce que vous avez parlé de la Chine, du Japon, est-ce qu'il y a des initiatives particulières que vous pensez être utiles en termes de propositions pour notre commission d'enquête, étant entendu, comme ça j'aurais bouclé à ce moment-là, que j'ai bien noté les deux propositions que vous avez faites, à la fois sur les questions de la recherche globalement, mais également, il faut le noter, sur la question
peut-être une étude scientifique, ou en tout cas d'études scientifiques sur la perception, la réception, oui. qui, je crois, effectivement, est un élément qui peut être, qui permettrait de détailler un peu ça. Mais voilà, donc plutôt maintenant sur l'Indo-Pacifique, d'une part, et puis les mesures prises et ce qui pourrait être intéressant de... Oui, et je rappelle l'enjeu des médias, de médias indépendants. Oui, j'ai bien noté sur... voilà, alors, renforcer RFI, par exemple. Voilà. Alors, c'est plus délicat de parler de l'Indo-Pacifique, parce que je n'ai pas fait de terrain dans la région. D'accord. Voilà, c'est une dimension que je maîtrise moins. Les Chinois sont très actifs en Indo-Pacifique. Tout à fait. Voilà, on le sait. Plusieurs pays de la région s'en inquiètent depuis déjà quelques années. La pénétration, elle est multidimensionnelle, elle est bien évidemment économique, et dans le cas de la Chine, c'est toujours la tête de pont. La tête de pont est toujours économique, notamment infrastructurelle, c'est-à-dire que c'est en finançant des projets de construction d'infrastructures, des aéroports, des ports, des hangars, des centres de gestion des données, etc. C'est tout ça qui permet à la Chine de s'implanter d'abord dans des... Alors, c'est parfois des projets beaucoup plus modestes, hein, c'est pas toujours des grands projets d'infrastructure. Ça peut être un centre d'aquaculture, par exemple, comme ça a été le cas dans plusieurs pays de l'Indo-Pacifique. Donc la pénétration est croissante. C'est une pénétration, bien sûr, qui est aussi dans le champ de la sécurité, avec notamment un accord avec les îles Salomon sur les questions sécuritaires. Et c'est aussi, bien évidemment, là, dans le champ informationnel. C'est-à-dire que les médias chinois opèrent une pénétration croissante des médias locaux. Alors c'est certainement un peu loin pour la France, mais c'est aussi un enjeu. Les Australiens, par exemple, les Néo-Zélandais ont pris à bras-le-corps cette question parce que c'est un enjeu important. Les Chinois financent des formations pour les journalistes de la région, offrent des prêts à un certain nombre de médias qui, de fait, après, ont les mains liées et sont obligés de dire du bien de la Chine. Il y a tout un tas de programmes d'invitation en Chine de personnalités de ces domaines qui permet à la Chine, bien évidemment, de prendre progressivement le contrôle de ce qui se dit, de ce qui s'écrit dans l'ensemble de la région. Là où il y a des diasporas chinoises, elles sont aussi instrumentalisées pour pousser les intérêts de la Chine, bien évidemment. Voilà, en termes de mesures... L'exemple australien qui est intéressant. Oui, alors tous ces pays, si vous voulez, c'est pas que les mesures soient très originales. Il y a essentiellement des mesures de contrôle de l'ingérence dans les processus électoraux. D'abord parce que la Nouvelle-Zélande, comme l'Australie, ont eu à faire face à des pénétrations très audacieuses dans le cadre de processus électoraux, donc de candidats très clairement soutenus par Pékin, financés par Pékin. Donc l'intensité des opérations menées par la Chine dans la région, leur fréquence, leur violence, qui a conduit ces pays à prendre des mesures plus importantes qu'en Europe. L'Europe est de fait moins touchée que ces pays. Donc il n'y a pas de mesures très originales, je dirais, mais un renforcement des moyens de contrôle, de l'exigence de transparence. Je pense que c'est ça aussi un point très important. Transparence, bien évidemment, des processus électoraux, mais transparence aussi de tout un tas d'acteurs de la société civile. Transparence des médias, faire en sorte qu'un média chinois apparaisse comme tel. Un média, quand je dis un média chinois, c'est un média d'État. C'est-à-dire qu'en Chine, il n'y a pas de médias de service public, en quelque sorte. Ce sont à chaque fois des médias de l'appareil du parti État qui sont des médias de propagande, et il faut qu'ils soient présents comme tel, c'est important. Transparence aussi de l'aide financière ou autre perçue par un certain nombre d'acteurs, qu'il s'agisse d'acteurs universitaires, de think tanks, associatifs, de maisons d'édition, etc., derrière lesquels les Chinois peuvent être. Par tout un tas de... La difficulté, c'est ce que j'essayais d'expliquer au début, c'est-à-dire qu'on a affaire à une multitude d'acteurs avec tout un tas d'intermédiaires qui font que parfois on ne se rend pas compte que derrière un acteur qui peut sembler tout à fait légitime, une maison d'édition par exemple, eh ben on a en bout de chaîne le département de la propagande. Et là je parle à l'étranger, hein, bien évidemment. C'est le cas en France.
Bah, c'est-à-dire que la maison d'édition Route de la Soie Édition, par exemple, est liée au département de la propagande chinois via une entreprise qui appartient au système du département de la propagande chinois. Donc on a là une difficulté à identifier les acteurs réels derrière ce type d'activité. Donc à chaque fois qu'on peut améliorer, accroître la transparence de ces activités, eh ben on rend plus difficile la mise en œuvre de ces opérations par Pékin. Merci, M. Charron. En fait, j'ai une série de questions à vous poser. Nathalie Goulet aussi, peut-être Sylvie Robert. Moi, j'aurais aimé que, à la suite de cette ouverture, notamment l'Indo-Pacifique, on en revienne plus particulièrement au thème de la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire les pouvoirs publics français luttant contre les influences, respectivement ingérences chinoises. Est-ce que vous pourriez nous citer très concrètement des exemples d'influences qui se transforment progressivement, si j'ai bien compris, en ingérence, c'est-à-dire c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, la façon de faire a changé, mais l'agressivité traduit plutôt l'ingérence que l'influence, enfin clairement. Donc est-ce que vous pouvez nous citer des exemples concrets d'ingérence chinoise qui seraient spécifiques à notre pays? J'ai bien compris que tout ce qui concerne les influences sur les valeurs, sur la démocratie, etc., vise aussi la France. Mais y aurait-il des exemples d'ingérence spécifique à la France? Vous nous avez indiqué tout à l'heure quels étaient les mobiles du Parti communiste chinois. Vous avez cité pêle-mêle assurer la pérennité du régime, qui semble être essentiel. Vous nous avez cité aussi éloigner l'Europe des États-Unis. Vous nous avez cité éloigner le sud global de l'Europe. Enfin, tout ça, je le vois bien. Pour la France, y aurait-il un mobile particulier et ça m'intéresserait de le connaître. Je voudrais rentrer un tout petit peu dans les détails. Dans cette modification de stratégie chinoise qui vise à être plus agressive dans ses influences, respectivement ingérences, il y a naturellement l'aspect politique. Il y a l'aspect économique, vous l'avez dit, il y a l'aspect universitaire, vous l'avez abordé aussi. Est-ce que vous pourriez, toujours pareil, mon souci d'avoir des exemples concrets, nous citer quelques-uns de ces exemples? Moi, j'ai été par le passé avec une autre casquette, souvent en Chine, dans différentes provinces chinoises, mais je suis obligé de dire que ça remonte à une dizaine, quinzaine d'années, donc ce n'était pas la même Chine. Hein, bien. Mais, et notamment pour des raisons économiques. Hein. J'étais président d'un organisme d'attractivité pour ma région et je recherchais des investissements. J'ai bien vu à l'époque comment l'influence chinoise économique évoluait. Mais on n'en était pas de l'ingérence telle qu'on la vit à l'heure actuelle, clairement. Alors, est-ce que vous partagez ça? Notamment, en Alsace, on voit arriver une entreprise qui semble-t-il, est vraiment en train de s'installer. Parce qu'avant, on nous disait « je viens m'installer », puis je venais jamais, pour 36 000 raisons. Voilà, enfin, vous devez connaître ça. Mais là ils viennent vraiment. Et avec plusieurs centaines, voire milliers de salariés. Alors, est-ce que c'est pour faire du business, certainement, mais est-ce que ce n'est pas aussi une forme d'ingérence? Je voudrais vous entendre sur cette modification de stratégie sur le plan économique. Idem sur le plan universitaire, et je m'arrêterai là. Sur le plan universitaire, dans le temps, la Chine a un consulat général à Strasbourg, hein, mais parce que Strasbourg est aussi une des capitales de l'Europe, Conseil de l'Europe et puis Parlement européen. Donc il y a un magnifique outil diplomatique. Mais dans le temps, c'était, merci de nous accueillir, chers amis alsaciens, c'est très gentil de votre part, vraiment, et on vantait les mérites, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de la Chine qui s'ouvrait, etc. Et à telle enseigne que même l'Institut Confucius chez nous,
était dans cette direction-là. On est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. L'Institut Confucius a changé considérablement. Enfin, mm-hmm. je ne sais pas si c'est le cas en France, mais chez nous, il a changé considérablement. Et maintenant, c'est une volonté très forte je parle du mien, hein, vis-à-vis de l'université, de la grande université de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce type aussi? Est-ce que vous validez ces thèses? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'une influence qui devient ingérence dans le milieu universitaire français? Et je répète, pour quel mobile? Voilà, voici mes questions. Mais je vous propose de prendre toutes les questions, ce qui vous permettra de répondre d'en bloc. Nathalie. Merci, Président. Oui, moi, j'avais plusieurs questions. Un ancien Premier ministre a indiqué qu'il était tout à fait en capacité d'aller vendre des rillettes sur la Place Rouge. Un autre, en revanche, anime avec énergie un think tank avec une présence importante chinoise, notamment dans son board. J'aimerais votre appréciation sur ce sujet, éventuellement des informations, si vous en avez, sur le financement, parce que j'ai quand même le sentiment que des responsables politiques à ce niveau, marquant des proximités telles, itératives hein, aussi, ont une influence sur l'image de la Chine, c'est une évidence. Bon, ça c'est la première chose. La seconde, c'est en matière de financement. Est-ce que vous avez étudié ou est-ce que vous avez vu une influence chinoise sur un certain nombre d'activités? Alors, on a parlé des activités économiques, évidemment, c'est important, mais pas seulement. Est-ce qu'il y a des think tanks que vous avez identifiés avec une proximité chinoise et pour les propositions qui pourraient être faites, est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe est sortie de sa naïveté, parce qu'on est quand même à la veille d'un scrutin européen extrêmement important, et il ne me semble pas que l'Europe soit plus motivée que ça. On a eu une enquête sur Huawei il y a quelques années. Finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Est-ce que vous avez le sentiment que la France, c'est important, moins que l'Alsace, mais c'est important quand même, mais que l'Europe est prête à prendre des dispositifs globaux et importants pour se protéger et nous protéger, parce qu'en réalité un certain nombre de dispositifs doivent passer par des dispositifs de prévention et de défense européenne. Merci. Monsieur Charon. Merci. Je vais essayer de donner quelques éléments de réponse, au moins, parce que ces questions sont vastes. Je ne crois pas qu'il y ait de particularité dans les opérations menées contre la France au regard, si on les compare, disons, avec les opérations qui peuvent être menées contre d'autres pays européens. Il y a bien évidemment quelques cibles particulières. La France est victime d'un discours néocolonial, par exemple, enfin accusée de néocolonialisme par les Chinois, comme elle est accusée par les acteurs russes de mener des activités liées, enfin ou assimilées à du néocolonialisme, notamment en Afrique. Ça, on sent bien que c'est le type de motif argumentatif repris systématiquement par les Chinois. Il y a une volonté très nette de démonétiser nos systèmes, nos institutions. Montrer que la démocratie, ça ne fonctionne pas, et bien évidemment, la France est une cible privilégiée de ce point de vue. Hormis ces aspects, il n'y a pas véritablement de spécificité dans la façon dont les Chinois ciblent la France. Je disais tout à l'heure que globalement en Europe, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne font rien, mais ils sont moins actifs, les Chinois sont moins actifs en Europe qu'en Asie par exemple, ce qui s'explique aisément. Mais ils sont malgré tout actifs. Ils ont longtemps
semblaient croire que le levier économique suffisait en fait pour obtenir, pour atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire qu'il suffisait de faire miroiter un certain nombre de contrats ou de menacer de rompre des négociations commerciales pour obtenir satisfaction. Et pendant très longtemps, ça s'est limité à ça dans l'ensemble du continent européen. Alors, on a malgré tout des opérations, même s'il y en a moins en France qu'ailleurs, on peut identifier des opérations très, très claires qui visent la France, ou en tout cas qui passent par la France, et qui montrent en même temps qu'il y a une forme d'originalité dans ce que les Chinois imaginent. D'abord, il y a dans tous les dispositifs que j'ai mentionnés au début, site internet, influenceurs, etc., il y a toute une partie de ce dispositif qui est francophone, donc qui vise bien évidemment pas seulement la France, parce que l'Afrique francophone est une cible importante pour les Chinois, mais qui vise aussi la France. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Les contenus sont pas toujours très significatifs, y compris parfois avec des contenus contradictoires. Sur ce type de réseau, on peut aussi trouver des contenus qui sont très pro-russes, mais qui ne vont pas forcément dans le sens des intérêts de la Chine. Ce qui montre aussi qu'il n'y a pas un contrôle toujours très, très, très fort de ces contenus, c'est-à-dire que ce qui montre bien que ces acteurs n'agissent pas toujours de manière très coordonnée. Il y a une opération intéressante qui avait été révélée il y a quelques mois par des journalistes, qui était la création d'un faux festival de cinéma par la Chine. Donc le festival du film international de Prague. Le lien avec la France, j'y viens tout de suite. Ce faux festival de cinéma a permis de primer un documentaire sur Hong Kong, qui fait l'apologie de Hong Kong sous la direction du PCC depuis la fin de la mobilisation étudiante en 2020. Et ce documentaire a été signé, si ce n'est réalisé, par un documentariste français. Mais les Chinois ne se sont pas contentés de publier un communiqué de presse indiquant que le documentaire avait obtenu un prix. Ils ont créé un faux festival, un faux site internet de ce festival à Prague. Quand on va sur le site, on peut se rendre compte que voilà, il y a tout un tas de documentaires, de films dont qui ont été soi-disant évalués par le festival, et certains ont été primés, dont deux documentaires de ce Benoît Lelièvre, donc qui est le documentariste qui a signé le film. Donc là, c'est intéressant parce que on voit bien qu'ils exploitent donc un documentariste. Alors Benoît Lelièvre, c'est quelqu'un qui avait travaillé à l'école du cinéma de Shanghai, donc qui a sans doute été recruté via ce canal pour signer le film. Il l'a peut-être même pas tourné, hein, on ne sait pas, mais peu importe. En tout cas, il l'a au moins signé, et ça permet. Et ça, c'est l'une des stratégies récurrentes de la Chine. Si c'est la Chine qui fait passer directement son message, ça a moins de poids. Si c'est un Chinois qui dit que la démocratie, ça ne fonctionne pas, que les États-Unis, c'est l'empire du mal, ça a moins de poids que si c'est un Américain ou un Français qui le dit. Donc si c'est un Français qui signe un documentaire sur Hong Kong, ça semble plus objectif. Et si c'est un festival de Prague qui prime le documentaire, c'est encore plus objectif. Et donc ils ont fabriqué ce site internet. L'impact est limité, bien évidemment, puisque y a eu assez peu de publicité autour de ça, mais malgré tout, et ça montre la sophistication croissante de ces opérations qui peuvent en partie impliquer la France. Vous m'avez interrogé aussi sur les universités. Là aussi, on a des illustrations très nettes en France, avec d'abord la présence d'étudiants chinois dans un certain nombre d'universités françaises, qui peuvent constituer, notamment via ce qu'on appelle les CSSA, donc c'est des associations des étudiants et chercheurs chinois à l'étranger, qui servent de relais, notamment au département de Front Uni, via les consulats, pour mobiliser la population favorable à la Chine
Par exemple, lors de la présence, lors de la visite, une visite officielle d'une autorité chinoise, ou en cas de tension diplomatique, c'est une population qui peut être mobilisée. Les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada font souvent les frais de ce type de mobilisation. Et c'est très concret. Moi, je l'ai observé dans un certain nombre d'universités françaises. Des étudiants chinois avec lesquels j'ai pu m'entretenir m'ont affirmé qu'ils étaient forcés d'aller manifester quand l'ambassade l'exigeait. Au moment où il y avait eu des grandes manifestations en 2018 à Aubervilliers et à Paris à la suite de cet incident, la mort d'un citoyen chinois, les manifestations ont été organisées par les autorités chinoises. Des étudiants chinois me l'ont confié et m'ont dit qu'ils avaient reçu l'obligation de se rendre dans ces manifestations. Donc, ça, c'est aussi un instrument que la Chine peut mobiliser en permanence au sein de la société française et aussi contre les autorités des universités. C'est des choses qu'on observe moins en France qu'ailleurs, il faut le reconnaître. Aux États-Unis, au Canada, on a eu des cas très intéressants, hein, y compris de conférences, par exemple, la venue du Dalai Lama, rendue impossible par la mobilisation de ses associations et de ses étudiants, ou de leaders de mouvements ouïghours. Voilà, donc ça c'est un vrai problème, d'autant que ça peut avoir même un impact aussi sur l'orientation parfois de la recherche, avec certains centres de recherche dans le monde spécialisés sur la Chine, où plus de la moitié des chercheurs sont chinois. Alors ça ne veut pas dire qu'un chinois ne peut pas faire de recherche indépendante sur la Chine, bien sûr que c'est possible, mais si ce chercheur a de la famille en Chine, alors il est menacé. Et il peut subir des pressions de la part du gouvernement chinois pour orienter ses recherches dans une certaine direction, ou en tout cas pour éviter de toucher à des sujets sensibles. Ce qui veut dire qu'il peut devenir difficile dans certaines configurations de faire des recherches sur les sujets qui déplaisent au Parti communiste chinois. Donc c'est un vrai problème, cette pénétration de la capacité des autorités chinoises à agir sur le monde de la recherche, le monde de l'enseignement supérieur. Une évolution intéressante dans le monde politique et européen, ça me permet de dire deux, trois choses sur l'Europe aussi, une évolution significative et très récente. Traditionnellement, ça ne vous surprendra pas, le PCC s'est appuyé en Europe essentiellement sur des partis d'extrême gauche. C'est logique, pendant toute la guerre froide, il y avait une stratégie du PCC qui a consisté à exporter la révolution via des partis maoïstes, mais via aussi un soutien à des partis d'extrême gauche. Depuis quelques mois ou années, quelques années, on observe un rapprochement de plus en plus fort avec des partis d'extrême droite. Ça a pris d'abord la forme de la récupération de messages de partis de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on a vu l'ambassade de Chine, des comptes de diplomates chinois, de médias de l'appareil du parti État, rediffuser, retweeter, notamment sur Twitter, rediffuser des messages qui venaient clairement de franges d'extrême droite, messages antisémites, domination du monde par les banquiers juifs, voilà, des choses comme ça. On l'a vu de plus en plus, soit relayés par ces comptes du parti État, et même parfois produits par ces comptes. Et puis, vous l'avez sans doute noté, il y a eu plusieurs affaires révélées ces derniers mois de ciblage par les services de renseignement chinois de membres, de parlementaires, allemands et belges notamment, issus de partis d'extrême droite. Donc ça, c'est une évolution très significative parce qu'on voit bien que l'idéologie finalement compte moins que un partage d'une même conception du monde, disons, et notamment le rapprochement se fait sur la haine des États-Unis et la haine de la démocratie. Et la volonté, et ça explique en partie aussi le rapprochement de la Chine avec d'autres régimes autoritaires dans le monde qui ne sont pas forcément de communistes.
Donc ça, c'est une évolution extrêmement importante, laquelle est, à propos de laquelle on a assez peu d'éléments pour l'instant, mais qui mérite là aussi des approfondissements. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Il me reste... Pardon. Oui, vous m'avez demandé si j'avais des informations sur le financement. Je n'en ai pas, bien évidemment, mais... Au moins une opinion sur des mesures qu'on pourrait prendre qui seraient plus... J'ai parlé de la transparence. Oui. J'ai parlé de l'accroissement de la transparence. Je pense que c'est la meilleure réponse à apporter. À partir du moment où toute association, tout organisme, think tank ou fondation, etc., est obligé de rendre des comptes sur la provenance de ces financements, ça réglera une très grande partie de la question. Je sens que Madame Goulet n'est pas totalement, pleinement satisfaite de votre réponse. Après, je vous renvoie à notre publication qui aborde très largement cette question des relais au sein des think tanks, des relais chinois. Voilà, il y a énormément d'éléments dans l'ouvrage. Bien, il me reste, M. Charron, à vous remercier mon collègue André Reichert d'avoir bien voulu suppléer. Et merci, M. le Président. On va lever la séance pour quelques minutes avant d'accueillir notre prochain intervenant. Merci.
Bien.